Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de Thor, le dieu du tonnerre. Alors pour pouvoir débloquer son pouvoir, il faudra que vous soyez au pass de combat niveau 15. Ensuite, vous débloquerez un livre de défis qui est l'éveil de Thor. Dans ce livre, vous avez 3 défis à réaliser. Le premier défi, c'est de visiter les marques de Bifrost en tant que Thor. Donc équipez-vous du skin Thor et ensuite lancez une partie. Alors ce que vous devez faire, c'est de vous rendre près des runes qui se trouvent à côté de Misty Midom, comme je le montre dans le gameplay. Et dès que vous aurez été à cet endroit-là, vous aurez terminé votre premier défi. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires en utilisant Mjolnir en tant que Thor. Alors pour réaliser ce défi, il faudra vous incarner de Thor. Et en plus de ça, il faudra utiliser le marteau Mjolnir, donc le marteau de Thor, pour réaliser ce défi. Alors quand vous êtes équipé, vous lancez une game. Et là, je vais vous donner une petite astuce. À la place de chercher un autre joueur à taper avec le marteau, et bien là, vous allez carrément sur les acolytes qui se trouvent au fief de Fatalis et vous le mettez en PLS et ensuite vous le finissez avec votre pioche. Vous devez infliger 100 de dégâts pour valider le défi, donc logiquement, avec un seul acolyte, vous aurez terminé ce défi. Et le troisième défi est d'utiliser une émote aux ruines du sommet de la montagne en tant que Thor. Alors pour ce faire, rendez-vous en dessous de Misty Midom, au sommet de la montagne où je suis justement dans le gameplay. Ensuite, là, vous allez devoir faire l'émote Dieu du Tonnerre. De toute façon, ce sera la seule que vous aurez. Et quand vous aurez terminé ce défi, bah, vous débloquerez justement cette émote. Alors, cette émote est vraiment trop stylée parce qu'en plus qu'invoquer le tonnerre, eh ben, Thor devient carrément électrique comme ça et change d'apparence. Donc franchement, cette émote est vraiment trop stylée. Voilà qui termine ce tuto complet pour débloquer le pouvoir de Thor. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.